elle a été mise dans une école privée et il y a Van Croy qui est venu un moment. Et en gros, qui est archéologue et qui a fait une petite conférence. Et elle était super. Ça l'a vraiment. Enfin, vraiment, elle a kiffé ça. Et en gros, elle demande donc en fait. À un moment, elle ouvre un magazine. Elle a appris que Van Croy préparait en ce moment même une exposition archéologique en Asie qui visait à mettre à jour un site important au Cambodge. Incapable de se contenir plus longtemps, Lara fit irruption dans la pièce, brandit l'article devant ses parents et demanda sans scrupule à accompagner Van Croy dans son expédition. Comme Lara continuait d'argumenter, elle fut surpris à s'approcher de son bureau pour écrire une lettre à Van Croy dans laquelle elle se présentait comme un membre influent de la société qui lui offrait une aide financière en échange d'une place pour sa fille dans l'expédition. Et donc la réponse de Van Croy ne tarda pas, elle l'assurait Lord, alors il s'appelle Lord Ensingley Croft, que les territoires à traverser étaient amicaux et qu'ils étaient suffisamment expérimentés pour veiller sur Lara. La compagnie d'une telle assistante serait la bienvenue, tout comme l'offre d'un chèque si généreux. Il se rappelait parfaitement de Lara le jour de sa conférence et ses questions incessantes et pertinentes qui lui avaient fait une forte impression. Ainsi fut-il convenu que Lara accompagnerait Van Croy pour toute la durée de son expédition. Dès les débuts de l'aventure, soyez attentive aux moindres paroles de Van Croy, son expérience et ses leçons se révéleront sans prix pour mener à bien des nouvelles aventures. Voilà. C'est le livret hein, qui explique ça. Mais je trouve le livret super joli, personnellement. Moi qui adore lire les livrets, j'ai été servie. Alors, je suis la Van Croy. Désolée, je racontais l'histoire de Lara. C'est un peu... il va me raconter ça. Mais calme-toi! Il a failli me pousser, le mec! Oui, calme! C'est livré PlayStation, je sais que sur mon livre... Bah, j'avais pas de livret sur ma version PC parce que je l'ai eu aussi en occasion. En fait, moi, les jeux, la plupart du temps, je les achète en occasion. Enfin, c'est mieux, moi, je trouve. Oh là là, il va avoir les facochères. Facochères! Mais tu l'es! Mais tu l'es! Je ne suis pas de la viande! Pau! Je m'amuse. Quel amusement! Ah oui! Ah oui, y a pas photo, on est tous d'accord là-dessus, je crois. Et c'est plus maniable. En même temps, j'ai rajouté des petits trucs volumétriques là, des petits effets qu'ils avaient fait exprès pour la version PC. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis obligée de faire une gymnastique des doigts là. Parce qu'en gros, j'utilise la croix, j'utilise CTRL, MAJ et ALT, c'est les touches principales. Et pour essayer de visualiser, pour se baisser ou pour sprinter, c'est la touche point d'exclamation et la touche juste à côté là pour se baisser. Alors, je me mets bien en bas. On m'a dit d'appuyer sur la touche sprinter. Non, attends. Sprinter. Non, c'est pas cette touche. C'est cette touche. Voilà. Un peu compliqué, hein, là. Je vais vous expliquer juste pour faire ça. Il faut appuyer sur Alt. Attends, il faut appuyer sur Alt pour sauter, excusez-moi. Il faut appuyer sur Alt. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Voilà. Faut appuyer sur Alt pour sauter, puis CTRL pour accrocher, c'est la touche action. Puis une fois que tu appuies sur la touche action, tu dois la laisser mise, tu dois appuyer sur la touche point d'exclamation en même temps que la touche CTRL et appuyer sur avancer. Et une fois que tu appuies sur avancer, si tu veux sauter, tu appuies sur la touche Alt. Voilà, merci, c'était bien. Je vais vous expliquer un jeu vidéo. Temps de chargement. Voilà. Yeah! Ah, il n'y avait pas ça sur PS1. Allez, de toute façon, là, normalement, ce chemin-là, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas de porte qui se ferme. Il n'y a pas de Werner qui attend ou je sais pas quoi. Ça va aller. Ah, bah, je me suis un peu piqué là. C'était piquant. Oh merde! Je sautais trop en avant. J'ai voulu faire ma meuf. Mais merde! Maintenant, comment je fais? Ah! Ah bah oui, d'accord. Ok. Avant d'arriver là, je vais sauvegarder. Tu sais ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je fais? Faut pas prendre d'élan sur ce saut! Donc en fait, faut juste le faire comme ça. Je me souviens plus. Je l'ai fait là, du premier coup. Alors là, putain, pour le refaire.
So much YOLO, effectivement, oui. On va y arriver. J'essaie de pas me presser. En fait, j'essaie de le rattraper, mais ça me fout la pression, en fait. Bah voilà. On sauvegarde, hein. Voilà. Attends, on va suivre Werner. Werner! Ma gueule! Werner! Wesh! Wesh, papy! C'est par là! Wesh, papy, c'est par là! Papy! C'est bon, papy! On se suit là! On se follow! Ah, c'est cool ça! J'ai l'impression d'être dans une petite randonnée avec mon papy. Hop là! Tu marches, hein, pas de soucis, marche-moi sur le pied. Ça pique, ça pique! Ah, ça pique! Ah, ça m'a piqué là! Ça m'a piqué! Ça m'a piqué là! Là, ça m'a piqué. Désolée, mais là, ça m'a beaucoup piqué. Monsieur Werner? Non! Non! Je vais te taper, Werner, je te jure, je te maudis! Sur 46 000! Je cherche là, je sauvegarde ou je sauvegarde pas? Je l'entends! Je l'entends, le fils de chien! Je l'entends! Je charge. Je t'entends. Laisse-moi tranquille. Yeah. Je suis arrivé avant lui. Voilà, c'est bon, je suis contente. Je suis arrivé avant lui. Bim bam boum. Bah oui. Ah, il va lui dire vas-y, il faut que tu bouges le levier. Il va lui dire non, je vais pas bouger le levier. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que il va avoir une malédiction. Il a fait oui mais moi je suis un archéologue. Moi je suis trop fort et toi t'es rien du tout. Alors tu le fais. Et elle va faire eh bah si tu veux, je vais le faire quand même. C'est ce qu'elle fait là. Je vais le faire. Si, comme vous voudrez. Von Kreuz. Genre... Voilà. Et le truc va s'ouvrir. Et il va avoir un pont en bois qui va arriver en mode YOLO. Regardez. Il est plié, il se déplie en mode YOLO. Ça me fait à chaque fois rire d'être cinématique. Et voilà. Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Et lui disait, ouais, bah tu vois, il s'est rien passé. Et elle fait, qu'est-ce que tu disais? Je suis coachée, ma jambe. Aide-moi. Elle va dire, j'arrive pour te, voilà. Pour t'aider. Et en fait, le truc se referme et elle va dire, Funcrawler. Ah non, Werner. Elle va se casser. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est bien fait pour un papy. C'est tellement bien fait pour lui. Et FMV dans ta face. Eh Chris, il est amoureux de Werner Von Kreuz là. Tu sais que dans Tomb Raider l'ange des ténèbres, tu le vois, il est en train de parler à Lara dans la première cinématique. Donc tu as ta réponse en fait. Et c'est Tomb Raider 6. Là je joue à Tomb Raider 4. Donc t'as ta réponse sur... Werner. Ah oui. Cette réaction est juste trop drôle. Boum. Moi ça me fait rire. C'était beau pour l'époque. Hein. C'était beau.
Alors, je vous dirai pas plus, mais le mec là, c'est un. Le mec là qui tombe avec elle, c'est un méchant monsieur. Tout le jeu se passe en Égypte, ouais. Par contre, la musique est bien forte. Donc, faut que je parle bien fort. Ça me gueule dans les oreilles. Voilà. Ah. Ils ont du mal à régler le son là entre les FMV et le jeu. C'est pas du tout le même son. Mais bon. C'est pas grave. Si vous. Bah oui, c'est dans le futur. Enfin, c'est dans le. Oui, c'est dans le maintenant. Là, c'était dans le passé en fait. C'était comment elle avait rencontré Werner Von Croy parce qu'il l'incruste dans l'histoire. Égypte. Maintenant, en Égypte. Ok. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais pas vu ça par contre. Désolée. Ah mais. Et Madame Lara Croft? C'est quoi ça? Une trousse de secours! Bah voilà, ça c'est bien ça. Oui, non mais c'est dans le présent du jeu. Enfin, dans le présent. Le mec il s'en bat les couilles, hein. Je me fais déglingos, mais le mec il s'en bat les couilles, quoi. C'est normal. Je regarde hein, s'il y a des petits secrets. Ah, il y a une trousse de secours là-bas. Il y a une petite trousse de secours. Je tente des trucs. Tentons des trucs. Essayons d'avoir des secrets, je ne sais pas. De toute façon, c'est une petite visite, donc voilà. Est-ce que par là, il y a un secret? Ben voilà! Et ben voilà, il faut visiter. Ça s'appelle Tomb Raider. Prends-toi ça dans la gueule, Square Enix. Oh. Ah, c'est si j'appuie sur les deux touches, ça fait un demi-tour. C'est intéressant, ça. Nickel, j'ai tué les homards. Heureusement que c'est à l'infini, ces bordels-là. What the fuck? Leave me alone! Bande de nuls! Mais j'appuie sur contrôle en regardant les machins et ça ne marche pas. Mais t'es sérieux, j'utilise le seul qui est pas. C'est une vérité ça? Ça c'est une vérité ça! J'ai été sur le seul qui ne marche pas et après j'ai abandonné quoi! Ça se fait tellement pas! D'accord, c'est bon, j'ai compris. Merci, c'est bon, j'ai compris. Merci! C'est logique maintenant que j'y pense. Mais je sais pas pourquoi j'ai été sur le seul qui marche pas. Bah Chris, il joue au jeu de... Non, je dirais... Ça se fait pas. Chris, il joue au jeu de Square Enix, donc c'est normal qu'il arrive pas aux énigmes. C'était gentil. Mais je rigole. Un secret. Un secret. Oui, c'est un secret. What the fuck? Is that shit? What the fuck? Il vient de m'arriver quoi là? What the fuck? Il va où le truc? Attends. Merci, oui, mais ça va pas m'aider, Madame Lara Croft. Je sais pas par où aller en fait. Ah, c'est ça le secret? D'accord. Tout va bien alors. Bon, on va prendre une petite. Maintenant que j'ai pris plein de petites trousses de soins, je vais en prendre une petite. De toute façon, c'est un peu abusé les trousses de soins. Il y en a vraiment masse. Pas trop grave. Je suis un peu déglinguée. Déglingostifiée. Ah oui, d'accord. Le truc il passe comme ça. Ah, c'est un FDP le truc, d'accord, ok. Bon, ça va, je me suis sauvegardé en bas. Je me suis dit, je le sens mal moi personnellement. D'accord. Mais le truc il te one shot. Mais faut même pas monter en fait. Faut partir. Faut partir. J'ai traversé la map. Attends. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'il fait exactement le truc. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, donc là en fait je me fais bien déglinguer. Et si je me cache sur le côté? Si je me cache sur le côté, je regarde. Hein.
Je vais mourir encore, mais je vais juste regarder son comportement. C'est un truc qui tourne, en fait. Ah bah d'accord. Il n'y avait pas de piège, en fait. Sale délire. C'est ça que tu es en train de me dire, là. On dit, on fait pas le truc tout de suite. Le piège pour le secret est beaucoup plus compliqué que... Et ça marche pas. Ah oui. Combine. Là. Voilà. Le piège pour le secret est plus tordu que le... que ça, en fait. Oh, ce style! Oh, ce style! Oh, ce style! Ce style de la mort. Pourquoi c'est tout rouge? Pourquoi c'est tout rouge? Ok. Pousse-moi, allez, vas-y. Allez, fais ton taf. Fais ton taf, ma gueule. Oh, c'est la lave dans Minecraft, quoi. Allez, fais ton taf, pousse-moi. Oh, mais il fait pas son taf jusqu'au bout, t'es sérieux? Oula. Il y a de l'eau. Merci. J'aime bien dire des trucs obvious, en fait. Les trucs les plus obvious du monde. Non! Je suis con! Bah, je vais mourir, laisse tomber. Il faut de l'eau. J'ai pas de gourde sur moi, bien évidemment. Je suis con. J'essaie de regarder de plus près, mais je suis con, voilà. Cette connerie, c'est moi. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Bon. On va sauvegarder ici. Ah oui, c'est une énigme qui a dégoûté tout le monde, vous êtes sérieux? À ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on marche sur les machins. Et ça brûle. Alors là, attends. Si. Si, si, c'est ça. C'est ça la solution. T'appuies sur les machins. En marchant. En te baladant. Et le truc, il s'allume. Attends, mais pourquoi ma théorie, elle marche pas, là? Eh, je les ai tous brûlés, là. C'est pas le bon truc, non? Le principe, c'est qu'ils brûlent pas, non? Je pense, hein. Je pense que le principe, c'est que... Mais qu'est-ce que... Pourquoi ils s'allument direct, là? C'est pas bon. D'accord, je crois que j'ai compris. J'ai compris l'histoire. Je crois que j'ai compris. Je pense, hein. Ah. Ok. C'est bon. Ah bah il y a Pépito qui m'a suivi. Pépito! Je trouve le level design hyper intéressant personnellement, même s'il n'est pas réaliste. Le level design a toujours été très intéressant. J'ai sauvegardé. Parce que je viens de finir l'énigme. Alors si je ne sauvegarde pas, là, je le sens très très mal. Personnellement, j'aurais très très mal dans mon petit cœur. Il y a rien, hein. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Pas de secret entre nous. J'aime beaucoup les blagues. Ah bah non, je reviens là où j'étais. Ok, merci. Allez, on se fait un kebab. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Bon, là, ça va me gonfler. Même, je pourrais jamais m'en lasser de jouer à ce jeu, quoi. C'est le genre de jeu, tu joues, t'es dedans, quoi. Même s'il est dur, même si, voilà, il est bien. Alors, j'essaye de faire la meuf qui s'y connaît bien en Tomb Raider. La mort, bravo. Tous les jeux sont commerciaux, je suis d'accord avec Ninou. Ouais. Ninou, je sais pas comment on le dit, en fait. Désolé si j'écorche ton... Oh mon dieu! Cette tête! Cette tête! Elle va me hanter! Cette tête! Mais mec! Mais mec, à un moment, qu'est-ce qui t'arrive là? Oula! Quel est ce bug? C'est un bug. Bah bon. J'espère qu'il va ma part fermer au nez. Il tape ici. Là par contre, là il y a un problème. Voilà, voilà. C'était sûr! Ils sont dans les murs. What the fuck?
Wow. Prends le putain de truc là. Wow. Sauvegardons les amis. Wow. Qu'est-ce que c'est ce truc, sérieux? J'ai pris le côté secret. Mais quelle force. Quelle agilité. Qu'est-ce que c'est remarquable. Ah merde, fallait tirer sur les gros vases. Alors, quelle vase? Quelle vase? Raconte-moi l'histoire des vases. Je comprends pas trop la salle, personnellement. C'est quand même bâtard, hein. Là, t'es en train de me dire qu'il y a des pics qui vont sortir des bordels? Non. Ça se fait tellement pas. Ça, c'est bien, ça. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Parce que j'ai l'impression que le sarcophage, il est fait pour être ouvert. Non. Ah non, non, non. Ah là là là. Mais what? Pourquoi les trucs, ils me poussent? Ça, c'est méchant, ça, par contre. Ça, moi, je suis pas d'accord. Ça a l'air super simple, mais en fait, ça l'est pas du tout. Mais what the fuck? Ils me poussent, les bordels. Mais je sais pas comment faire. Est-ce que, après... Alors, je veux juste savoir. Parce que sinon, après, je me casse les couilles à prendre les trucs, mais... Est-ce que je peux arrêter le système pour récupérer des affaires? Eh, c'est juste pas possible. T'as vu son animation? Elle prend 4 heures! Cette animation de psychopathe, quoi. Ah, je prends trop de temps! Hop! J'ai pris le truc. Je me suis cassé. Save! Save and YOLO! Save and YOLO! Save. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave. Je trouverai ce qu'il faut après, pour plus tard. Eh oui, secret. Eh bien oui, les secrets. Ça, ils sont pas... Par rapport à Tomb Raider 2, c'était plus caché avant. Ah putain, mais qu'est-ce que tu fais? Madame Lara Croft. Voilà, merci. Je trouvais des petites munitions. Ça me sert à rien, mais un jour ça me servira quand j'avancerai bien dans le jeu. Si j'avance. Parce que vu mon skill de patate. Ah bah c'est ça, ok. Moi j'essaie de faire des trucs. Fallait faire la cinématique. Et après j'arrête, hein, parce qu'il est un peu tard. Et ça fait 1h47. De live. Ça fait plus qu'à 1h47. Ça fait plus de 2h de live là déjà. Oh là là! Mais c'était bien, alors je sais pas si ça vous plaît, moi j'aime bien. Je vais faire ça depuis très très longtemps.